Alors. On a une domination, c'est cool. Pourquoi l'arachis par contre? Hier j'aurais dû prendre l'arachis. Oh, on a du lourd. Closing on target position now. Je pars loin. Maiden Height. Je vois le chemin. Solid copy. Voilà. Pom 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 pom. I'm on it. Là, on a 12 tours encore. Oh putain. Bon, alors, vous suivez la rue principale. Et là, vous verrez un restaurant sur votre gauche. Ou c'est une librairie. Ouais, non, un magasin. De sport, je pense. Enfin bref, vous comprendrez quand vous y serez. C'est juste au bout de la rue. Les explications du mec. Running. Roger that. Je fais du chemin. Le chemin est dégagé. Aucun trou ne surprise. J'espère qu'ils vont revenir. Vous vous souvenez quand les gens se plaignaient des indications de leur GPS? Imaginez-vous avec ce genre d'appareil, sauf que c'est notre roi des ondes qui vous parle. On aurait aussi bien pu avancer à l'aveuglette, c'était une catastrophe. Mais bon, comme je vous le disais, ces idioties perturbaient nos cerveaux fatigués. Et si on passe sans se faire voir? C'est une solution aussi. Pour pirater l'ordinateur directement. Est-ce que lui peut le pirater à distance? Bien, commandant. Got it. Parce que ça nous aiderait aussi s'il peut le pirater à distance. M'étonnerait. Ça me semble raisonnable. Un peu loin. Mais elle est tellement bien placée aussi. Roger, I've got my eyes on. La ville est pas très grande, vous devriez vite arriver au bord de l'eau. Mon bateau doit être exactement là où... Pas là où je l'ai laissé, hein. À moins que quelqu'un ait trouvé où je plante mes clés. Oh, j'espère que mon ordinateur est toujours là. Je vous rappelle que vous m'avez promis de pas l'abîmer, hein.
je vais me placer. Ok, maintenant on est en plein milieu avec, avec des écrevisses partout et des mammouths et des machins. Ouais. Ah bah là on est mal placé quand même, non ? C'est un peu la merde. L'animateur radio nous a supplié de ne pas détruire son ordinateur et ses enregistrements. Alors on s'est mis d'accord. Une fois à bord, on allait le pirater et couper la transmission. Je sais pas trop pourquoi il fallait le pirater, puisque c'était son ordinateur, mais personne s'est trop posé de questions sur le moment. Let's do this. Je me suis mis dans la merde. Je bouge. Moving to designated position. Je couvre la zone. Ah là, je me suis mis dans une merde pas possible. À la limite, si on peut ignorer ce pod et avancer, je dis pourquoi pas. Mais là, c'est un peu compliqué, quoi. Là, si on se fait voir par tout le monde. Ah, évidemment, ils vont revenir. Eh oui, parce que sinon c'est pas drôle. Sinon, c'est pas marrant. Je veux pas vous donner mon mot de passe. On se connaît à peine, j'ai des données sensibles sur mes disques durs. Je vous indiquerai les fichiers qu'on cherche et vous vous occuperez du reste. Vous êtes des soldats d'élite, non? Eh ben, vous pouvez pirater la planète. On s'est tellement mis dans la merde. On a une domination, on va dominer lui après. Le gros mastodon. Je peux pas bouger. Je suis aux aguets. Tout de suite. Affirmative, covering eye. On va perdre. Je sais pas. Il y a trop de bestioles. On n'avait pas fait la moitié du chemin qu'on avait déjà repéré le bateau. Et pour cause. Il grouillait de chrysalis. Il n'y avait pas 36 solutions. On allait devoir se battre, et c'est ce qu'on a fait. Quoique. On va peut-être y arriver, en fait. I'm all over it. On va peut-être pouvoir passer. Sans se faire voir, ce qui est un peu étrange, mais toi tu devrais pouvoir te prendre avec le grappin de là-bas. Oh. On the move. Je
J'avance rapidement. Je peux le faire. Je passe en vigilance. Ça, c'est de l'infiltration. Ça, c'est de l'infiltration. Oh la vache. On a encore 5 tours. On peut dire que chaque seconde compte. Un peu. Le temps presse. J'espère juste que je me souviens bien de l'heure de programmation. Des fois j'oublie et ça commence un peu plus tard ou un peu plus tôt. Essayez de faire vite, juste au cas où. Je vais me déplacer. L'objectif est là. C'est là qu'on a repéré le précieux ordinateur de notre animateur. Je peux y arriver. Est-ce que lui peut pirater le truc ou pas ? C'est ça que je voudrais savoir. Confirmed. Moving out. On Overwatch. I've got my eyes on. Personne peut me confirmer s'il peut. À ce stade, on en avait tous par-dessus la tête. Oh la vache. De chrysalis. Mais ce qui m'inquiétait, c'était que même si on coupait toutes les transmissions radio, oh, il y en a trop. Ils allaient continuer à surgir de leurs trous au fond de l'eau et à remplir l'océan avant de débarquer sur le rivage. J'ai l'impression qu'on va devoir vraiment aller dessus en fait. Le truc que je veux faire avant, c'est changer la musique. Confirmed. Got it, moving. Je reste vigilance. I'm on it. Personne ne va voir. Covering now. Eux, bien sûr, ils viennent foutre la merde. Parce que sinon. Fais à volonté. On a un pod et deux chrysalis. Les anciens protègent bien leur un pod, une chrysalis. Went off the
prochaine émission allait bientôt être diffusée. Il fallait agir vite. Bon, d'accord, je veux bien admettre que j'ai peut-être déclenché un fléau mondial, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour ralentir tout ça. On pourrait même les arrêter pour de bon, hein, c'est pas trop tard. Et vous débrouillez bien, hein. On a une domination ici. Ça va être cool, il a des pouvoirs psychiques lui. Yes. On est bon. Je suis en train de me dire que la grenade ce serait mieux sur lui, ça va l'éteindre. On est d'accord, ça l'éteint, non? Donc ça, je crois que ça serait mieux. Comme ça, après, on peut se concentrer sur le robot. On peut même le tuer, peut-être. Elle a les vagues. X-ray neutralized. Seems doable. Aha! Cool. Il peut le faire à distance, très bien. Le faire à distance. Donc on n'a pas besoin de se presser. On va mettre une balise et on se met en protection par là.
c'est pas mal là. Est-ce qu'il va retirer une fois? Non. Hein, ouais. Mais bon. Les anciens ont pris une nouvelle vie. Quoi, il y a la chrysalis derrière. Je sais pas si elle nous voit en fait. Ils sur qui par les côtés. Elle va aller. Ah, ça va. Ah, on est bon. Guerrier sacré. On a la stase et on a le contrôle mental. On peut prendre le contrôle d'esprit de la cible et forcer à retourner contre ses alliés. Neuf à 10. Mal ça. Essaye de prendre le pouvoir, ouais peut-être. Normalement je peux. Ouais. Ce que j'allais faire aussi c'est tirer d'abord sur lui, mais c'est vrai que oui, oui je peux prendre le pouvoir normalement. Bien vu. Pour les Templiers. Je n'ai touché que l'armure. Tu t'es pris des dégâts, toi? Pourquoi tu t'es pris des dégâts? T'aurais pas dû? Faudrait le soigner. On va le soigner après. Il a la stase. On va garder la stase pour le gros si jamais on en a besoin. Répéteur supérieur, ça pourrait nous aider ça. Ok, on va voir. On va voir si on a de la chance. La stase, elle est à 100% partout, on est d'accord. Hein. Juste pour vérifier. Ouais. À voir. Ça pourrait le tuer. Ça m'aurait étonné aussi, mais bon. C'est jamais, quoi. Tu soignes pour combien toi? 4 points à chaque utilisation. Tu dois soigner pour 7 au moins.
Le prochain tour, on pirate. Our target, minimal damage. Mon attaque ne l'arrêtera pas. Rechargement. Allez, fais dodo. Eh ben, je pensais vraiment pas que ça allait passer. C'était une course contre la montre. Les missions étaient programmées pour commencer d'une minute à l'autre. System infiltration in progress. Désorientent les ennemis pendant deux tours. Les squads récupèrent tous les points d'action déjà utilisés dans le tour. Ah, on va mettre ça alors. Cool. De toute façon, on n'a pas le choix. On a mis fin à la transmission. Mais des ennemis rôdaient encore dans le secteur et on a dû les affronter. La question c'est, est-ce qu'on va avoir assez? Est-ce qu'il faudrait pas détruire l'armure? Là, on a encore un stase de toute façon, on a encore un stase. Oh yeah. On a encore elle. Si lui il avait genre un bouclier genre 2 ou 3, j'aurais fait guerrier sacré là, ça aurait été cool. Faites confiance à notre pouvoir partagé. Protégé. Je l'ai à peine touché. Non, tu l'as pas à peine touché, tu lui as fait extrêmement mal. Eh ben! Berserk, Chrysalis, Goliath, y'a que ça. Ok, y'a qu'un seul pod et des Chrysalis. Ah, c'est parfait, on va pouvoir complètement prendre notre temps. It's killing time. Je recharge mes munitions. Tout cela. I'm going. Il y a peut-être une crise allée sur la gauche, on va y aller doucement quand même. On a deux stases, magnifique. Qu'il en soit ainsi. Donc ça c'est plutôt cool.
Overwatch. Je n'hésiterai pas. Ok, il y en a une qui est très loin. Hein. Il y en a qui bouge. Chargé et paré. Whatever you say. Allons nous voir. Bien, commandant. Double time. J'ouvre l'œil. Il bouge. Personne ne passe. Il faut que je me concentre. That's not good. Ça n'arrivera plus. Went off the armor. Je suis plus puissante. Qui on va avancer? Je me déplace. N'est pas super bien placé. C'est parti. Mais on n'est pas prêt. On a le camion qu'on peut faire péter s'ils se mettent à côté, mais ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Grappling. On va mettre une... Oh, oh, c'est beau ça. Le mieux, ça serait qu'il soit là, qu'il soit autour du camion, mais bon. On va pas tenter le dial parce que ça va pas vraiment être possible. On a encore une balise. C'est... Ça serait possible qu'ils se mettent à côté grâce à la balise, mais je vais... Non, on va pas tenter ça. On va pas attendre en tout cas. Oh, ça pète pas. Et là, ça pourrait être intéressant. Là. Je
8 à 10. Ah, ça serait bien. Je préfère le sniper qu'on avait dans l'ancien épisode avec œil de lynx et tout ça. Parce que là, c'est un peu limité à chaque fois. Je prends une nouvelle approche. Alors, Volt, ce que ça fait. Vous porterez ma marque. C'est pas mal. Elle est plus chiant. Hors de jeu. Oh là 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 là. Ah ouais, là on peut pas dire autre chose. Oui, t'as échoué là. I can handle that. Oh, où tu vas? Ah, il va tirer. Bon, ça va, il va pas. Normalement, il va pas le tuer. Donc l'autre, il va peut-être foncer dessus. Il va se prendre l'explosion. Ça va, c'est cool. Oh, on est beau. Boum boum. Parfait. On a des stases à tout va, donc on est tranquille. Je recharge mon arme. Ouais, toi tu vas faire la stase. Parce que t'as vraiment un pourcentage de merde. Gunslinger sans munitions spéciales, c'est pas ouf, ça, j'avoue. Je fais
La question c'est, est-ce qu'on va devoir tuer le prêtre ou pas? Est-ce qu'il faudrait le tuer, comme ça, ça nous fait des points? S'il n'est pas considéré comme un... comme un ami, donc on va, je pense qu'on va devoir le tuer. Comme ça, ça nous fait des points en plus. Vu qu'on a fini la mission, neutraliser toutes les cibles, ouais, il doit plus rien rester. Désolé, mec, mais t'as fait la fin, quoi. Tu peux le staser pour perdre le contrôle mental. Ah. Je sais pas. Let's rock. C'est les zombies qui comptent. C'est les réanimations qui comptent comme les soldats. Même si ça c'est une erreur, ça devrait pas, mais... Maintenant j'ai un peu peur. Est-ce qu'il va compter comme un ennemi ou pas? Non. Non, il s'est fait toucher, on n'a pas perdu de points, donc c'est bon. C'est la fin de son voyage. L'ennemi tué, là. Tous seront libérés. Vous paierez pour ce que vous avez fait. Maintenant, il reste sûrement une seule chrysalis quelque part. Toi, par contre, j'aime pas trop que tu sois comme ça, là, sur un toit. On va te mettre... Affirmative. J'ai un peu peur que la chrysalis, en fait, monte sur l'autre côté du toit et la coupe en deux. Oh, yeah. Donc on va faire ça. On Overwatch. Je vais faire ça. I'm on it. Je suis de retour. Deploying grapple. No problem, boss. Je vais me placer. Roger that. J'observe. Je vais ouvrir l'œil. Affirmative. Covering scanning. On a trouvé. Son armure est solide. Au-delà de la douleur. Whatever you say. J'y vais. On the move. No retreat. No retreat. Vous n'échapperez pas à ma marque. Merde, c'est pas fini. Tout de suite, on Overwatch. Je vais faire attention. Just the end. Je dois faire mieux.
veux pas me faire taper. Heureusement que nous avons ces armures. Saloperie. Subissez mon courroux. Quelle merde. On a perdu 1000 pour rien. On est arrivé juste à temps pour empêcher la diffusion de l'émission et récupérer les précieux enregistrements de l'animateur. Pas de parfait. L'animateur avait du matériel intéressant à bord de son bateau. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, puisqu'il ne se battait pas. Mais j'imagine qu'il s'en servait pour faire du troc. Fait chier. C'est pas grave. Alors ça serait bien parce que tout le monde les a et tout ça, c'est cool. Mais là on va avoir les canons supérieurs en fait, donc ça je préfère ça. Et on va avoir les armes miroirs. Enfin non. On aura les spectres. Ça permet de passer à travers les murs et tout. C'est surtout la war qui m'intéresse en fait. Justice, contournement manuel. Ah, canon perforant, cool. Cool. On va faire 60 000 points, enfin on doit faire. Je commençais à en avoir marre de notre roi des ondes et de ses petits secrets. J'étais sur le point de le cogner pour le faire parler, mais il a enfin tout avoué. Je ne plaisantais pas quand je vous disais qu'il était cinglé. La véritable source de son puissant signal, l'un des premiers implants émetteurs d'Advent. Il avait eu la brillante idée de se brancher dessus sans réfléchir à ce que ça déclencherait. Son histoire était tellement ridicule qu'elle était presque plausible. Après tout, on n'était pas des scientifiques, et notre solution était toute simple. Il suffisait de détruire l'émetteur pour mettre fin au problème. Un jeu d'enfant. On est arrivé dans la zone près du front de mer. On pouvait voir l'émetteur au loin, alors on avait assez peu de temps. À l'époque, Advent n'avait ouvert que quelques centres urbains, et on ne savait pas encore grand-chose sur leurs implants. Malgré tout, je trouvais l'emplacement étrange pour un émetteur, et j'espérais vraiment que l'animateur ne nous avait rien caché d'autre. Ça va être très très juste pour atteindre les 300 000 points. Ça va être extrêmement juste, il faut vraiment pas se faire toucher... perdre personne et tout quoi. Je sais pas si on va y arriver. Comment c'est loin. Ouf. Je me lance. Je vais me placer. On the move. T'es Lucie. Les Martiens. On n'est pas sûr qu'ils viennent de Mars. On n'est pas sûr. Deploying grapple. Je crois qu'elle est tranquille.
là-haut. Je crois qu'elle est plus ou moins tranquille là-haut. J'approuve cette décision. Ah, tant mieux. Tant mieux si t'approuves cette décision. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Got it. Je passe en vigilance. Croyez-le ou non, c'est un plan émetteur, comme vous dites. C'est l'un des premiers trucs que j'ai découvert. Je sais pas trop pourquoi les extraterrestres l'avaient abandonné, mais ils attendaient juste que quelqu'un vienne le mettre en route. Il me suffit que de quelques réglages, hein. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de protection, donc si lui, il avance, il va nous voir. I'm on the move. Non, c'est pas très grave, en fait. Je cours. Ça me semble raisonnable. Scanning. Got it covered. Sur qui on pourrait utiliser domination? Sur Big Daddy, là? J'ai décidé de laisser notre roi des ondes devant la radio, au cas où on aurait encore d'autres mauvaises surprises. Je crois qu'il avait enfin compris le message. Cela dit, on n'était pas là pour plaisanter, et il ne faisait plus rire personne. Understood. Moving out. On fait le combat maintenant. Faut gagner des points, donc je dirais que on devrait combattre maintenant. Faut qu'on fasse des points. La blague énorme. Ça tue. Thank you.
Pamamama. Un petit crit, 94% de faire un crit. Voilà. Bienvenue sur Terre. Voilà. Bienvenue sur Terre. Je vois le chemin. Ordre bien reçu. Suivant. C'est parti. Mon travail avant de comprendre que c'était le chant des sirènes pour des milliers de monstres marins. Bonjour, je suis Big Daddy. Je vais me mettre en plein milieu. Non. Bonjour. Tempête ionique, invoque les foudres de tous les ennemis proches, dégâts augmentent avec l'unité concentrante consomme toutes les concentrations, mais en génère à chaque victime. Je crois que c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé. Je peux y arriver. Là, les esclaves des anciens. Ok, là on va avoir un problème par contre. Ah la vache. Tir nourri, triple tir sur une même cible. Tir de pisser trois fois sur la même cible. Ah là vous faites chier par contre. Ah, ça le téléporte. Ça va faire aucun dégât à l'UM, hein. Ça va pas faire dégâts sur eux. On est d'accord. Est-ce que ça va le téléporter, bon. On a des balises, on reste calme, on a des balises. Est-ce qu'il va se téléporter? Non. On va tuer tout le monde en 3 secondes, en 3 tours. Enfin, j'espère. Moving to designated position. On a la faille du néant.
Génère un champ d'énergie plus explosif qui endommage tout ce qu'il touche. Les ennemis organiques peuvent souffrir d'aliénation. Là, c'est pas mal. Et sinon, on a le canon. Le canon, ça va faire 3. On va faire la faille du néant en premier. On va peut-être contrôler le truc vert là. Ça serait cool. C'est énorme. Ah, oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Après les autres, normalement, on peut pas. Donc, ça sert à rien. C'est con de vous mettre à côté, les mecs. Alors, qui va utiliser la balise ? On a encore qui peut jouer. Il faudrait le mode. Je sais pas si quelqu'un connaît le mode. Où c'est que en haut, il y a les personnages qui s'affichent. Ce serait pas mal ça. Alors on a encore Carla, on a encore Bradford. Et le sniper, ok. Comme ça, on n'a pas besoin de bouger. Mais merde. Bon. C'est elle qui va lancer la balise, je pense. Bradford, il va. Il va aller nous faire un critique au fusil à pompe. Code Reaper, ça va pas. On peut rien tuer là. Ça va pas vraiment nous aider. Y a rien à tuer. Ah, par contre là, ça va faire mal. Enfin, j'espère. Ah, critique à 10. Pas mal. Oh, il peut retirer en plus. Il peut retirer. Il est un peu loin. On va le faire bouger, avec de la chance il se met à côté de... Il pourrait peut-être bouger dans un endroit où on peut le toucher, on va voir. Ouais, je sais que les... Ah merde, je sais que ça régène. Pas mal. Va loin.
Ils sont immunisés contre le flash. Les avatars. Oui, ok. J'ai envie de mettre deux balises pour être sûr, mais je sais pas. Ça sera un peu cool. Alors lui il va bouger. Lui il va nous faire une attaque. Il va sûrement venir, il va foncer dessus, il va tirer. Lui il va faire pareil, ou alors il va toucher l'Andromeda, mais il va pas vraiment nous faire chier. Lui on le contrôle donc tout va bien. Lui il va sûrement aller tirer sur la balise aussi. Ou alors aller tirer sur lui. On verra. Non, devrait être bon. Devrait être bon. Tu l'as fait tomber. On est bien. Ah, si on a un peu de chance sur les pourcentages, personne nous touche, on se fait pas toucher. Il remonte ce con. Ah, je suis tombé. Ah ah. On va le staser si jamais il y a un problème. Ah, va dans l'acide. Yes, bien joué. Voilà. Surtout lui qui me fait peur. Oh la vache. Ok, là on va prendre. On va prendre. Va nous faire notre... Unité tuée ? Oh ! Un civil. Putain, j'ai eu peur. Explosifs improvisés pour détruire l'émetteur. Mais les alliages extraterrestres sont solides. Je n'étais pas entièrement sûr que ça marcherait, mais j'ai bien fait attention de ne rien dire aux autres. Et puis, s'il le fallait, j'étais prêt à tout pour mettre fin à cette histoire. Okay. On a beaucoup de gens, mais... Grenade extraterrestre. Les grenades à plasma. J'avoue là que c'est un peu la merde. Là, je vais être honnête, ça fait un peu peur. On a eux, les zombies sont chiants. Et... J'avoue que là c'est la merde parce que il nous faudrait une balise et on l'a pas. C'est Central qui l'a.
Ah, on était très très bien parti. C'est juste le coup d'avoir les deux pods en même temps qui nous a foutu dans la merde. Donc là. Faut staser l'avatar aussi, mais il est super loin. Est-ce qu'on va pouvoir y aller, ça le truc? On va lui tirer dessus pour qu'il bouge. Ouais, ouais, il y a une action avec Skirmisher, mais je crois qu'elle est quand même trop loin. C'est ce que j'étais en train de regarder. Avec deux actions, elle va là. Et je crois pas qu'elle ait vu... C'est délicat en fait. C'est... C'est du peut-être. Après, il y a le problème des zombies aussi. Encore. Servez-vous de ma force. Ah bah. Good copy. Moving on target. Elle le voit. Rage. Est-ce que je peux pas le mettre là? Combien de carreaux ça? Je sais pas si ça va toucher. En théorie, oui. En théorie, pas du tout, c'est bien. J'y vais trop bourrin, là ça va mal se passer. Ça met fin au tour, ça? Non. Neutralize.
additional damage. On a beaucoup de monde, hein, on a beaucoup de monde, mais est-ce que ça vraiment c'est utile? Ah oui, c'est vrai que ça défonce l'armure aussi. On aurait pu peut-être le tuer, lui. On aurait pu peut-être le tuer. Je pense. L'autre, elle est en protection, donc ça va. De plus en plus. Non, celui lui a fait des dégâts. J'ai rien dit. Cool. C'est chouette. On va perdre le contrôle mental aussi bientôt, je crois. Normalement, si on arrive à survivre à ça, on a tué tout... Oh merde. Bon, c'est pas grave. Normalement, on a tué tout le monde. Enfin, je pense. Parce qu'il y avait 3 avatars la dernière fois. Là, ça doit être pareil. Ah, ils peuvent pas aller là? Cool. Ils font le tour du coup. Pour les zombies, si on détruit la boule, les zombies meurent, on est d'accord? Normalement, ils peuvent. Ah, voilà. L'avatar arrive. Ok. Oh la vache. Vive les pourcentages. Bah, ça fait chier. Je pensais pouvoir toucher les 3.
Enfin, les deux là. Ah! Voilà. You can't run from my power. Bien. Ouais, pareil. Ça commence, moi. La boule explose, hein. Toi, faut que tu bouges. Hit the armor. Tu nous fais chier d'être aussi loin. Je sais pas trop encore ce que je veux faire, tu vois. Faudrait que j'utilise le fauchage de... le bras de forme. Quelle merde. Faisons ça proprement. Il n'a pas le choix. Bon, il reste plus que les avatars.
Il ne reste plus que les deux avatars. Contrôle mental sur le psy. Un. Marche pas. Oh. Ça va. Pour être franc, j'étais occupé à essayer de détruire une technologie extraterrestre qui risquait de m'exploser à la figure. Alors je n'écoutais pas vraiment ce qui se passait à la radio. Mais je veux bien admettre que j'ai peut-être été un peu dur avec lui. T'es pas téléporté? Pourquoi? Pourquoi tu t'es pas téléporté? Tu m'expliques? Oups. Ça vient de moi, le Windows. Désolé. C'est con d'être empoisonné, hein. Je tente ma chance. Je mets le turbo. Mets le turbo. Oui. Yeah! Oh la vache, comme il va loin! Ah, mais on va peut-être te rattraper. Ouh! Joli. Ah, elle a pu monter là, on peut faire ça, d'accord. Je n'ai rien fait. Ah, j'ai vu. J'ai vu que t'as rien fait. Power Ranger Turbo. Exécution. Bah merde, du coup. Il
On me lui met quoi, amplification ou alors la tempête? Non. Faites confiance à notre pouvoir partagé. Diong. Ça fait mal le poison, hein. J'aime pas. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il va nous faire la lance. La volonté faiblit. Aïe, ça fait mal. J'en ai jamais vraiment parlé, mais j'ai essayé de me faire engager par Advent pour faire leur propagande. C'est le seul boulot qu'ils proposent. Évidemment qu'on court, que je connais. Je connais les Power Rangers quand même. Je suis planté au test psychologique. C'est plus vieux que moi. Mais franchement, enfin, je crois. Qu'est-ce que ça a à voir avec la radio? Quand même. Le pouvoir des Templiers. On va le faire téléporter. Il ne passe pas ces flammes. Voilà. Son armure tient le choc. Camion brûle. Power Ranger avec le noir qui était le Power Ranger noir. La chinoise qui était le Power Ranger jaune. Et après, au début, ça passait très bien dans les premières Power Rangers. Et puis après, c'était raciste. La vie change. Enfin, les gens changent, apparemment. Est-ce qu'on pourrait le tuer, ce con-là? Il commence à m'énerver d'une force. J'ai pas l'impression qu'on puisse y aller avec Andromède. On y va au fusil à pompe. Les affaires reprennent. Non, on va pouvoir le faire. Avant, ça gênait personne, hein, le Power Ranger noir, bah, c'est la personne noire, chinois, c'est la personne jaune, etc. Ça gênait personne, hein, avant. Et après, c'était extrêmement raciste, attention. I'm ready. Faudrait qu'on le touche pour qu'il se téléporte. Est-ce qu'on peut... Putain, il me faut... Pourquoi j'ai pas de grenadier? Mais les grenadiers, ça me rendrait la vie tellement plus simple. Je te ferais tout péter, quoi. Je te ferais péter les immeubles, je te ferais péter les... n'importe quoi. Je vais pas pouvoir y aller. Pas pouvoir le déloger, en fait. Et toi? Ah, si, on est bon, attends. Ta. Ma force sera la vôtre. On a une super Andromède. Non, attends. Ça a marché ou pas? Ça a pas marché? Ça marche pas sur les jeux apparemment. Goldorak c'était bien. Goldorak j'en ai pas vu beaucoup parce qu'après ça a été interdit. Ah non si ça a marché. Ça a été retiré des écrans pour droit d'auteur ou j'en sais rien. Et en plus c'est jamais plus repassé. Toc toc.
Tout ça pour louper. Je me fais chier à faire un plan. Putain. Je me fais chier pour faire un plan et tout ça et ça loupe quoi. Il va jamais venir. Il va juste se téléporter, il va pas bouger, donc on va pas tirer dessus. C'est un... Ouais, enfin, il va là-bas, quoi. Super. À la limite, j'ai envie de taper. Je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer une fois que l'émetteur serait détruit. Pour casser le sol, en fait. De prendre nos distances. Alors, si jamais ça devait mal tourner... On serait en plein dedans. Même si on s'attendait déjà au pire, on allait sûrement encore avoir des surprises. Pour casser le sol, comme ça il tombe. T'es encore heureux que l'autre il a touché. Oh la vache. Sinon on était mort. Merci pour le follow dogma, bienvenue. Bienvenue à toi. Mais bon, c'est 50% de chance. Ah, là, on s'amuse. Hein. Oh, la vache. Oh, on s'amuse. Order's confirmed. Moving out. Salut, Lenzo. Ah oui, c'est vrai que le katana, il a... Enfin, non, mais je pensais aux 3 dégâts d'avant, en fait. Comme ça, il le tue en une fois. Mais je crois qu'avec le katana, il fait 11, de toute façon. Donc... Il va tuer toutes les... Il va tuer toutes les machins qui arrivent. Alors, ce que je voulais faire, c'était inspiration sur le Templier, mais fuck. On va tout détruire. T'attendais pas à ça, sale con. Voilà. Tu t'attendais pas à de la destruction massive, hein. Je vais me placer. Bon, maintenant on a une Andromède ici qui. Qui attend. Whatever you say. Bon, on a peu d'HP. Se mettre là.
Pourquoi réfléchir si on peut tout détruire? C'est exactement ce que j'ai... C'est pour ça que j'adore les... Je passe en vigilance. Tout ce qui est grenadier et tout ça. Parce que quand il y a des étages, tu peux toujours faire tomber les gens. Vous avez jamais pensé à monter votre propre radio? Radio Liberté! Le cri de guerre de la résistance! Histoire de remonter le moral des troupes avant de partir à la chasse aux extraterrestres. Saisi! Je pourrais m'en charger d'ailleurs, hein. C'est quand vous voulez, hein. Vous me dites et bam, j'arrive. Dans un sens, on combat des extraterrestres, donc pourquoi questionner ça? Honnêtement. Au point où on en est, pourquoi questionner ça? Ça devrait pas être choquant. Ça devrait pas être si choquant que ça. Mais je pense qu'elle est en bas. On la voit en haut, mais elle doit être en bas. Moving to Overwatch. Sur ce point, au moins, j'étais d'accord avec lui. Après tout le mal qu'on s'était donné pour le sauver, il pouvait au moins nous servir à quelque chose. On lui a laissé le temps de se ressaisir et d'apprendre à suivre les circuits officiels, et puis il s'est fait une belle place à la radio, pour le plus grand plaisir de la résistance. On it. Vous auriez jamais dû lui laisser la place à la radio. C'était vraiment une connerie. Elle est où la Templière? Ah, Templière. C'est loin, mais je peux y arriver. Ah, c'est pas à 300 bornes non plus. Ah, très bien. J'y vais. On a plus de soins, on a plus de balises, on a plus rien. Donc là, par contre, on va pas rire s'il y a encore un pod. On va beaucoup moins rire. En théorie, il n'y a plus personne, mais on sait jamais. Edson Bethal. Edson Bethal. Comment t'es arrivé? Oh, il y a une échelle, d'accord. Je me suis dit, c'est quoi ça? On the move. La brutalité humaine. Going up. Ils seraient tellement dégoûtés de venir sur Terre, les extraterrestres. I'm going. On my way. Ils nous regarderont. Ah, c'est bon. Vous entretuez déjà. Ouais, vous avez pas besoin de nous. Vous êtes déjà en train de vous entretuer et tout. Ça passe. On fait que regarder. Ok, on est bientôt à la fin, je crois. Je pense qu'il y a personne, mais je préfère y aller doucement. Hein. Je bouge vers la position. Vous m'excuserez, surtout après autant de combats et de bordel. J'ai peur qu'il y ait une saloperie de civil qui se transforme en monstre et qui me mette une baffe. Et après je pleure par contre. Alors ça va être le moment de vérité. On est bon! Il y a des hamburgers si vous voulez. I can handle that. C'était un bon combat quand même, merci.
ça qui était... À vos ordres. Le premier pod, il s'est passé, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Et après, le deuxième, en fait, on a enchaîné avec le troisième en même temps. C'est ça qui nous a foutu dans la merde. Ça aurait pu être beaucoup mieux. On ne pouvait pas rater l'émetteur. L'animateur avait savamment bricolé des pièces extraterrestres pour l'installer. Je veille sur cette zone. Je confirme. Overwatch. Je surveille Overwatch. Ça, c'est pas un... C'est pas un machin, ça. Whatever you say. Bien, commandant. Moving out. On a vu qu'il pouvait se transformer. Je suis en train de me dire, est-ce que c'en est pas un? Je passe en vigilance. On Overwatch. J'attaque. I'm on it. Maintenant, j'ai peur de tout. Oh putain, c'en est un! Ah ben j'ai raison. C'est énorme. Oh la vache. Ah, oh, on tire feu à volonté, les mecs. Et vous loupez pas. J'avais raison. La paranoïa. Personne du bon. Tout de suite. La paranoïa du bon. J'ai toujours dit. Come get some. Une fois la bombe posée. Putain, c'est loin. Qu'à attendre et à profiter du spectacle. On a 5 tours. Me dis pas qu'on va rencontrer des choses. Attends, bon, c'est juste là. Le plus court, c'est quoi? C'est ça, et on passe par le bas. Hop, là, hop, ok, c'est bon. No problem, boss. Je me déplace. Headed there now. Attends, là, toi, tu me fais 1, 2, 3. I'm on the move. J'ouvre l'œil et le bon. Personne n'échappera à ma vigilance. Déploiement du grappin.
J'ai pas assez de stress. Faudrait qu'on m'en rajoute encore un peu. Parce que... Ouais, non, j'en ai pas assez encore, là. Faut bien calculer les tours, parce que sinon on est mort. Ça me semble raisonnable. Je n'hésiterai pas. Ok, on est tous au milieu. En deux tours, on peut y aller, je pense. S'ils arrivent tous de ce côté, c'est bon. Il fallait qu'on entre tout faire sauter avant d'être submergé. Son armure tient le choc. Pour la liberté. Bonne nuit, Lucie. Merci d'être passé. Bonne nuit et bon week-end. Yo sniper, c'est l'heure de partir. Heading out. Ben c'est classe, classe qu'on vient de faire. Dans le sniper qui est positionné tout ça et qui part en grappin et tout, c'est qui est. Seems doable. Je dois recharger. Il faut qu'il reste un tout petit peu en arrière parce que lui il peut couper, il peut tuer tout le monde en fait. Et les autres ils peuvent avancer en théorie. Ça devrait être bon. Je vais me déplacer. Yeah. Il bouge, c'est bon. Moving to Overwatch. I'm on it. Got it covered. Je ne laisserai passer personne. Bien. Bien joué. Voilà, ça va. Ils ont pas été salauds, ils viennent tous du même côté. On est submergés en fait. C'est comme la mission dans XCOM 1 là. Quand il faut partir et qu'ils nous attaquent tous. Alors toi tu peux. Ok. Tout le monde est bon. On peut partir. On va pas se gêner. On a 300 000 points. Move, move, move.
Mais qui a fait ces musiques? Elles sont vraiment cool. Good to go. Comme vous voulez. Je cavale. C'est bon. J'abandonne le combat. Ouh, waouh, c'est chaud. Après tous nos efforts pour en arriver là, l'explosion du dernier émetteur était presque une libération. On a dû faire des sacrifices. Certains y ont laissé la vie, mais on a sûrement empêché un cauchemar pire encore en détruisant le réseau avant que la situation ne dégénère. Des remixes de UFO. Le dernier. Et on a eu en or. Pêcheur de bestioles, j'ai eu un succès. Alors, nouvelle opération héritage débloquée, l'envol du Talion. Armitage débloqué ceci pendant une campagne solo. Okay. Ils sont jolis. Ouh. Eh ben. Celui-là était quand même plus dur. Celui-là était quand même plus dur. Plus. En plus, il nous pousse à jouer différemment en fait par rapport au Chrysalis. Genre dans les missions où il faut sauver des gens, moi la plupart du temps je les ignore les gens. Je les ignore complètement. J'attaque les Advent et tout ça pour finir la mission. Là par contre, avec les Chrysalis qui vont attaquer les civils pour en créer d'autres, ça, c'est autre chose. Là c'était vraiment autre chose quoi. Bob, c'est cool! Et maintenant, c'est l'envol du Talion. Bien que le Talion ne soit pas encore prêt à prendre des airs, lui, ça fait déjà office de point d'ancrage pour les premiers résistants. De par son lien aussi bien personnel que professionnel avec l'appareil. Lily Shen. Ah, Lily Shen! C'est vrai qu'on l'a pas encore, donc on va sûrement la récupérer maintenant. Endosser le rôle de catalyseur, récupérer les ressources et du matériel de façon à réparer l'entretien du vaisseau jusqu'au jour où il pourra à nouveau décoller. Et après, c'est projet Lazare. Ça, c'est sûrement récupérer le professeur, là. Non ? Bon, on verra. C'était vraiment cool. Vraiment cool. Prochain live, on fera ça. On a passé quand même presque 8 heures à faire ça. Hein. Presque 8 heures à faire le cauchemar marin. Ça a duré extrêmement longtemps. Abusé. Aïchen. Après, on a Alan Cohen. Ah, on va avoir un faucheur. Ça va aider. Ça va être sympa d'avoir des faucheurs. On va pas Bradford dans celui-là. Dans le troisième. On verra ça la prochaine fois.